Bonjour, nous allons réaliser un sablé breton allégé. Voici les ingrédients. 150 g de farine, 60 g de beurre demi-sel, un œuf, 30 g de sucre, un sachet de levure chimique. On prend un batteur, comme ça, on va mettre dans la cuve. On met muni d'une feuille, si ça a la feuille, comme ça. Mélanger la farine, la levure chimique et le sucre. Voici la farine, la levure et le sucre. On va battre, mais on va mélanger un petit peu. À vitesse moyenne. Voici le mélange fini. 20 g de miel, deux sachets de sucre vanillé. Maintenant que la farine, levure et sucre sont bien mélangés, on ajoute le beurre en morceaux. Les deux sachets de sucre vanillé et on doit obtenir un mélange sableux. Allez, on va mettre tout ça. Voici les deux sachets de vanille et le beurre coupé en morceaux dans la cuve. On va battre à vitesse moyenne. Jusqu'à obtenir un mélange sableux. Voici le mélange qui est sableux. Maintenant, on va rajouter l'œuf et les 20 g de miel, puis mélanger rapidement jusqu'à obtenir une consistance homogène. Voici la pâte bien homogène. Maintenant, on va la filmer au contact de la pâte. Dans la cuve, on va mettre un film par-dessus. Au réfrigérateur pour 1 heure. Je vais vous montrer après, dans 1 heure, comment c'est. La suite. Voici, j'ai filmé en contact de la pâte. J'ai laissé dans la cuve et je vais mettre la cuve au réfrigérateur 1 heure et après je vais vous montrer la suite. Voici la pâte sortie du frigo. J'ai mis à préchauffer le four à 180. On va abaisser la pâte sur une épaisseur de 4 à 5 mm. Et détailler des biscuits à l'aide d'un emporte-pièce de la taille de la forme de votre choix. Allez, on va prendre la pâte. La mettre sur le plan de travail, l'étaler et faire des petits formats avec l'emporte-pièce de votre choix. Voici la pâte étalée, 4-5 mm. On va prendre un emporte-pièce et on va les mettre sur une plaque avec du papier sulfurisé. Voici les pièces avec l'emporte-pièce fait. Je vais les mettre sur la plaque maintenant. La plaque avec un papier sulfurisé, comme ceci. Voici les cercles sur le papier sulfurisé et sur une plaque. Il reste de la pâte. On va la remettre en boule et l'étaler pour en faire des cercles. Voici les cercles sur la plaque avec du papier sulfurisé. Maintenant, on va prendre un jaune d'œuf et les badigeonner. Réaliser des petites vagues sur les cercles et enfourner 10 à 15 minutes à four préchauffé à 180. Voici les sablés bretons finis. Bon appétit à tous. Pour les conserver, mettez-les dans une boîte hermétique.